Et salut à toutes les gars, c'est Rouyan, et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. On va voir vite fait le calendrier comme d'habitude. Donc on joue face au Olympique de Marseille un quart de finale. Donc voilà, on a le moyen d'aller en demi-finale de la Coupe de la Ligue, donc un match très important à l'extérieur, ça risque d'être difficile. Ensuite un match face à Lorient à domicile en Coupe de France, et un match face à Angers. Angers on les joue beaucoup ces derniers épisodes, donc Angers on sait que c'est toujours des matchs difficiles. Donc après ouais, il y aura Lyon. Et il y aura de toute façon le West Ham qui va arriver bientôt. Oui, on est dans le mercato, les gars. Vous avez proposé pas mal de buteurs. Donc, ouais, il y avait Pléa, il y avait Ninga. Voilà, je me suis renseigné sur quelques joueurs de mon côté aussi. Non, Ninga, je crois pas qu'on l'ait proposé. Enfin, je sais plus. Moi, j'ai fait quelques recherches aussi. Enfin, j'ai pas fait de recherche, j'avoue, j'avais la flemme. Mais j'avais des petits noms comme ça et j'avais envie de me renseigner. Voilà, il y avait Germain. Waouh, ouais, ça coûte cher. Hein. Bryce White aussi. Avant de recruter, voilà, je vais d'abord savoir leur général, etc. Et ce sera à vous, dans les commentaires de cette vidéo, de me dire voilà, qui choisir et pourquoi. Voilà. Donc tiens, après, vas-y. Va te faire plaisir à Lens, voilà, avec une bonne ambiance. Ouais, donc Paloma, non, on va refuser. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires qui recruter dans les joueurs que vous verrez dans cette vidéo. Et on ira négocier tout ça. Dans le prochain épisode, je rappelle que je vais vendre Nolan Roux pour le remplacer par le fameux buteur. Donc on va donc les entraînements du stage, on va le virer. Parce que moi il a déjà deux entraînements et vu qu'il s'était blessé Lozano, ah bah il est apte. Il a Lozano, donc on va le remettre. Au début ouais je le mettais en dribble, mais bon il a déjà des stats de fou en dribble, donc je vois pas trop d'utilité. On va plutôt essayer de l'améliorer en tir. Vu qu'il est pas très très bon en tir, enfin si ça va, mais je veux dire. Il peut s'améliorer quoi. Donc. Voilà, je vais faire les entraînements, ça fait quelques temps que je les ai pas fait les gars, donc on se retrouve à la fin des entraînements, bah toutes. Oh oui, bien joué, oh putain, dernière chance pour Loa, dernière chance, vas-y, oui, oh là, bien joué, non, mais je suis con, putain, mais c'est pas possible, mais non, ouais, j'ai cru qu'il y avait encore un joueur à faire, c'était le dernier exercice et j'ai mis à recommencer, putain, ça me casse les couilles, vas-y. Putain, c'est pas possible, y'a que moi pour faire des conneries comme ça, quoi. Ouais, les gars, donc entraînement plutôt pas mal. Bon, après, voilà, on a eu deux démons, franchement, j'étais un peu dex pour Lozano. Voilà, j'avais eu le A et j'ai mis réessayer comme un trou de balle. Mais bon, c'est pas, c'est du passé, on oublie. On reste concentré maintenant pour les matchs à venir, surtout pour le match face à Marseille. C'est vrai que pour l'instant, on est dans toutes les compétitions encore. Donc, c'est vrai que j'ai pas un effectif non plus de fou. Hein. Les pas sont doublés, mais en cas de blessure, ça peut être compliqué, on a vu. Hein. Mané et Malcu qui jouent tous les matchs en ce moment. Donc ça peut être compliqué de jouer sur tous les terrains. Donc Landini, vas-y. Voilà, prêté pour 2 ans. Donc je te dis adieu parce que bon, on se verra plus, je crois. Donc bref, voilà. Donc je sais même pas. Lozano, j'ai vu que ouais, pour les entraînements, il est apte. Est-ce qu'il sera pour le match? Je sais pas. Toni Catherine et Lozano, ils sont toujours blessés. Le Marchand aussi. Voilà, ça fait 3 blessés assez graves quand même. Donc ça fait comme pas mal chier, donc bref, on est parti pour le match face à l'Olympique de Marseille. À l'extérieur, les matchs ne sont jamais faciles à l'extérieur, hein, puisqu'on sait Marseille. Marseille, bon, c'est pas top en vrai. Mais bon, ce qu'il faut, ça reste une équipe vraiment de qualité. Alors je suis toujours en légende, je vais remettre en champion, je testerai le match face à Lorient, où je testerai en légende. Mais là, on va laisser en champion. Donc, on va mettre qui? Beric, ouais, Mané, ouais, forcément, on n'a pas trop de choix. On va mettre Amouma. En buteur, il y a Bazouar Dabo. Ouais, c'est Vey. Et vas-y, verrez tout. À droite, Maki, il n'y a pas trop le choix. À gauche, non, on va laisser comme. Non, pour le moment, il pète pas mal. Il pète pas mal. Et on va mettre Lafond. Et Lozano, putain, il peut vraiment pas jouer. Ok, on partait visible. Donc, on est parti, les gars, pour l'immersion de ce match. Au CV les bonnes frappes avec Augustin. Augustin, le face à face, Augustin. On a resté face à Mané. Oh Mané. Oh putain, dommage. Dommage, les gars, première occasion de ce match. C'était bien joué, Augustin. Une belle frappe, bel arrêt du gardien. Et Mané qui suit malheureusement, mais qui cadre pas. On continue comme ça, les gars, première occasion de ce match. La prochaine, on essaie de la mettre. Les gars, avec Kabela. Kabela, il est passé. Oh putain, non, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, le face à face. Le poteau. Dégage, dégage, dégage. Oh là là, la chance qu'on a! Voilà, genre, t'es dégoûté, mon gars, j'étais à la mi-temps. Et maintenant, il y a un contre. Et maintenant, contre là, ça serait tellement parfait de marquer. Bien joué, Romain. Bien joué, Romain. Ah, c'est compliqué pour Augustin. On a eu beaucoup de chance. Augustin, la pression. Voilà, on obtient un touche. On a vu, ça va être la mi-temps. Ouais, non. Juste après.
Et voilà, ça sent très très bien. Kabila qui était tout près d'ouvrir le score, ça aurait été vraiment pas très mérité. Mais voilà, ils ont pas eu beaucoup d'occasion. L'homme, attention, c'est bien joué. Oh, bien joué. Oh, mon main. Oh, mon main. Oh là là, le gardien. Il était tout près de verser du score, ça me rappelle un peu du but de Amouma face au PSG. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, de Maca Manager. C'était un peu le même but. Enfin, le même but, non, vu que là, il n'y a pas eu but. Mais ça ressemble à peu près à cette action. Donc, sa dernière chance en corner. Ah, c'est dégagé, c'est pas terminé, ça revient sur Veretout. On perd pas le ballon. Wouah! C'était. Oh le bâtard, il laisse pas la touche. Bon, bah, mi-temps 0-0. Un match, ouais, légèrement, mais sur ma part, j'ai la possession, j'ai fait plus de tirs cadrés. On domine, mais pour l'instant, toujours 0-0. Bon, on domine légèrement. Marseille reste un petit peu dangereux, on l'a vu avec le poteau, c'est quand même l'équipe la plus dangereuse. CV, j'aimerais bien le faire sortir. Ah, mais non, mais je suis con. Ouais, si, bah, se voir. Non, parce que faut, je vais jouer titulaire. J'y ferai tourner au prochain match, mais ouais, Bazor c'est un titulaire, tout comme CV, donc on peut faire tourner. Voilà, c'est des trucs qui va lui faire du bien au pied de se reposer. Parce qu'on accumule les matchs, il y a des risques de blessures. Donc bref, les gars, on est parti pour les meilleurs sons de la deuxième mi-temps en espérant la qualif en demi-finale, ce qui serait quand même plutôt cool. Mané, oh le contrôle, il est passé. Allez, Bazor, allez, frappe, frappe Bazor en face à face. Penalty. Oui, il y a penalty. Yes, les gars. Oh là là, je suis un sac sans lui qui fait la faute. Lierfoot, il n'y a rien à dire, il, voilà, il prend au pied d'appui. J'allais tirer et il fait faute en voit le ralenti. Donc là, je contrôle et là, là. Il n'y a absolument pas pris en fait. Non, c'est quoi cette simulation? Ça me rappelle le 5-16 en ma carrière pro, j'ai fait la même en finale des champions. Pour ceux qui se rappellent, c'est voilà, là, c'est la pire simulation qui existe. Oh, énorme. Donc, Berich, pas de pitié, mon gars, faut la mettre. C'est très important, Berich. Tu dois la marquer, Berich. S'il te plaît, Berich, la panne, elle est 40, gars! Mais oui, elle est magnifique! Si, voilà, tant qu'il n'y a pas de colle, alors qu'il y a 0-0. Je peux être complètement con, mais vu que je le suis, bah voilà, c'est pas des colle au calme. Ça fait 1-0, c'est la première panne école que je fais, il me semble, en carte majeure. Si, j'ai pas mis trop de puce, en soit pour bien jouer les gardiens. Après, s'il aurait eu, bah, je regarde un coup. On la revoit, elle est magnifique, le petit touché. Les relèves, il croit, bah, tu as donc une, là. Allez ça les gars, regardez ça. C'est trop les gars. C'est débile hein, mais... Ah, on peut se voir, voilà, coller là. Là je vais me dégoûter. C'est ça qui est beau. Donc ça fait 11-0 les gars. Maintenant il va falloir tenir et essayer d'être bon en contre pour essayer de tuer le match. Cabella qui aurait été très dangereux dans ce match. J'adore encore. Oh le Cabella. Oh Cabella. Cabella c'est contre. Bah Fekoumi. C'est l'égalisation de l'Olympique de Marseille. En plus il fait la panthère. Il a pas le droit, il a pas le droit. Et ça c'est un manque de respect. Je me fais clasher là. Attends, Gomis, le mec formé à Saint-Etienne, qui se bâtard à signer à Lyon, et bref, on va pas. Bref, et en plus, il fait la panthère qui est le signe à Saint-Etienne. Il a fait beaucoup de fois la panthère à chez Lyon, et là, il le fait contre nous, c'est dégueulasse. Ça, en même temps, je le fais pas respecter par Gomis, même son FIFA, tu vois. Bon, bah, hein, les gars, tout est à refaire, ça fait chier, voilà, on n'a pas tenu très longtemps, mais bon, bah, c'est comme ça. On va falloir essayer de reprendre l'avantage mal cuit. Ouais, non, je suis pas passé. Oh oui, la contre-favorable marque. La contre-favorable, t'es passé. Le centre. Ouais, bah, non, malheureusement. Mais ouais, ça sent des prolonges, je sais pas pourquoi. Hein. Attention, avec Veretout, on peut rencontrer avec Bazoar. Oh, Perich est parti. Ah non, putain, il était parti, mais. Oh, si, il est parti. Il est parti, Perich, face à face. Oh, Perich, le mec. Oh, Perich, le mec. Perich, je vous plaît. Mais non, il reste 5 minutes à jouer. Oh non, 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 je veux bien que t'as mis une belle panel comme, mais c'est pas pour ça que tu dois rater ça. Oh là là, je suis dégoûté les gars, bon, on va aller en premier. Bien parti, putain, je suis dégoûté, mais on a une première place, on a une première place, Marseille. Bon, avec les stats, mais petit tir à 5, 6 cadrés à 2, j'ai la possession, clairement, mais j'ai la possession. Donc voilà, va falloir finir en prolongation, mais voilà, on est parti pour 30 minutes. Mais j'avoue que je suis dégoûté, j'ai pas mal de regrets, mais on mérite de gagner. Mais bon, c'est très très loin de gagner, ok, bon, la faute. Mais oh le bâtard, carton jaune, donc on est reparti, let's go, motherfucker. Kekinji, on a chaud pour l'instant, le joueur récupération, et on part comme ça pour Marseille qui a eu une grosse occasion. Il pousse, il pousse, par contre, Mané la vitesse, il est cramé, mais vas-y. Allez, Mané, lâche pas, c'est Saka, il va pas te faire attraper, autrement, si tu t'es pas respecté. Augustin, oh le contre, il est parfait, oh Perich, de l'autre côté, oh le côté Perich, oh moi. Mais c'est pas vrai, on loupe trop d'occasions. Le contre était magnifique et la finition, encore une fois, qui voilà, on se craque encore une fois. Mais ouais,
Là, on n'aura pas beaucoup d'occasions et Marseille qui a une grosse occasion. Bon, Marseille, ils ont loupé quelques opportunités aussi. Mais de chaque côté, il y a des manqués, mais c'est surtout notre part. On va falloir d'ici et tout. Et on se perd tout le temps, les gars. Ça va arriver vite, putain. Oh, Péric, on voit sa face. Péric, oui. Le doublé de Robert Péric. Et pas voler, se rattraper son occasion manquée. Oh là là, ça fait plaisir, les gars. Il reste 10 minutes à tenir maintenant. Et Augustin, la passe D pour Péric. Magnifique, ça, c'est buteur. Voilà, il a mis parfaitement le lucarne, le gardien peut absolument rien faire, le doublé. Péric, il est là, Péric, il est là et ça fait plaisir maintenant. Deuxième but, bah, forcément, c'est premier tour. Donc, sur la côte, bah, non, donc, autrement, du coup de France, là, on est en demi, enfin, on est bientôt en demi, je l'espère en tout cas. Donc, on est reparti, les gars, mais là, va falloir tenir, il n'y a que ça qu'il faut faire. Son commis, oh, commis, il a une grosse frappe, commis, au pas laisser tirer. Bien joué à fond, bien joué, gamin, c'est ça que je veux voir. Voilà, il est monté, Mandin. Le pelé, pardon. Il est monté. Oh, attention. Oh, c'est bon, c'est fini. Non, il a pas sifflé. C'est pas encore terminé. Mais là, ça sent très très bon. 2 minutes, ça passe très très vite. Vas-y, on va jouer tranquillement. On n'est pas pressé. Hein. Mané, et voilà, c'est terminé. La qualification, les gars. Magnifique. On est vraiment sur une très très grosse série ces temps-ci. Et là, on enchaîne. Je sais même plus combien de victoires d'affilée. Mais bon, même si là. Les rageux vont dire qu'il y a eu match nul parce que bon, c'est en prolongue. Mais Niki Bomer, voilà, 12 tirs à 9, 7 tirs à 3, on a dominé. Même si Marseille a eu des opportunités, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est une victoire. Une qualification en tout cas qui est logique. Et ça fait super plaisir, on est en demi-finale. Alors il y a le PSG. Ouais, on risque, il y a des chances d'affronter le PSG. J'aimerais bien ne pas les affronter. Au pire, enfin, bien les affronter un jour hein, si on veut gagner. Sauf s'ils se font sortir avant. Mukanjo, alors j'ai vu Mukanjo, Benjamin Mukanjo, oh, son titre de général, mais bon, il a 28 ans. Voilà, c'est pas ça qu'il est rapide. Il est rapide, donc ça peut être intéressant. Parce que j'ai pas d'attaquant rapide, mais ouais, non, c'est Augustin, non, il est pas vraiment rapide. J'aime bien quelqu'un qui est plutôt rapide. Quoique, non, Benjamin, il me plairait bien aussi. Hein. Mais bon, il va chercher, j'attends de voir son général. On va faire des offres, enfin on va pas faire des offres, mais on va mettre Nolandro dans tous les transactions pour voir s'ils sont intéressés par le joueur. Là pour l'instant je mets pas d'offres, c'est juste pour voir s'il y a moyen. Bon, je pense pas que Monaco soit intéressé par où, après tout on sait pas, hein. Mais bon, je pense que Monaco sont passés des Falcao, Germain, Bernardo Silva, Nolandro, ça fait un peu mal aux fesses quoi. C'est comme si tu passes de d'une mannequin à ta soeur, c'est moche. Oh, c'était méchant, excusez-moi. Voilà. Je suis en mode gros bâtard aujourd'hui. Brissot aussi qui me plairait bien, qui est 25 ans, très rapide. Sans doute l'un des joueurs qui me plairait le plus avec sa coupe qui me fait. Qui est sympathique, voilà. Il doit pas trop mettre le coiffeur, mais voilà. Corentin Jean, je me suis renseigné, je vais pouvoir voir ses stats. Voilà, je suis curieux, mais bon, il m'intéresse pas vraiment. Eniga, c'est. Voilà, il m'intéresse. Voilà, je voulais voir comment j'y là parce que moi j'aime bien en vrai. Mais je pense pas, ouais, il a pas un gros général donc je pense pas que je vais le recruter. Mais ouais, non, quasiment. Juste voir combien le club veut, pour voir si vraiment ça passe pas. J'ai pas un budget de fou, il me reste beaucoup de sous pour voir voilà, si les autres marchent pas. Bah, qu'ils ont des gosses, ça peut faire l'affaire, mais c'est pas du tout la priorité. Donc là, on va avancer les gars pour le match face au SCO d'Angers. Donc voilà, Angers, je fais que les affronter. Braithwaite, il a combien de général? Il a son 18, 25 ans, c'est pas mal. Enfin, j'aurais préféré même son 19, bon, vu son prix. Pléa, 78 également. Après, Pléa, franchement, ça me fait. Je pense pas que je vais le prendre parce que j'ai déjà testé sur le 16. Comme vous l'avez vu dans mon carré avec Saint-Etienne, il a été très bon. Mais tu vois, j'ai envie de changer un petit peu. Braithwaite, j'ai jamais testé, donc ça peut être pas mal. Donc, bref, on va se concentrer, les gars, face à Angers. Un match très compliqué. À chaque fois que je joue Angers, je galère. Mais à chaque fois j'arrive à m'en sortir, mais voilà, ça va être compliqué, je sens. On va remettre en champion, on testera le mode de légende au prochain match face à Lorient, mais je sens que ça va être très compliqué. À Angers, à chaque fois que je joue à Angers, je galère, hein. Il n'y a pas eu, j'ai déjà foutu 3-0 sur le dernier épisode, mais c'était vraiment, voilà, ils étaient à 10, mais sans le carton rouge, je pense que j'aurais galéré. En coupe, j'ai battu en prolongue, mais en galérant aussi. Bon, là on est à domicile, vu qu'on est à domicile, ça peut être plus... Ah ouais, putain, on peut toujours pas dans nous. Ça doit être plus simple, j'espère. On va mettre Roux, sans doute l'un de ses derniers matchs. Parce que putain, il est cramé, j'ai pas trop le choix. Donc, on est parti, les gars. On se retrouve pour l'immersion de ce match. Un sport de vitesse, je dis toujours le même discours. Peut-être que je change au bout d'un moment. Let's go!
Il se met aussi dans leur tête avant de le faire, ça le centre il est beau, check and die, il est grand. C'est pas terminé, oh oui, bien joué. Bien joué Ruffier. Première grosse occasion d'Angers, Angers voilà, qui me pose beaucoup de soucis, c'est ce que je m'attendais. Un match équilibré, un match qui va jouer à rien, espérant que ça tourne en faveur avec Beric. Et il est où à un moment là, y'a personne gros, putain, bah ouais. Vas-y, putain, Tanan, il se fait vendre ma gueule, il était où là? Ah, c'est pas Malcuit. Malcuit, il y a pas centre, c'est contré. Dommage, les gars. Va falloir essayer de marquer assez rapidement pour nous mettre en confiance, parce qu'autrement, ça va être compliqué de soigner à Sugoto. Ouais, bon, j'avoue que j'ai du mal à le prononcer, on va éviter de le prononcer, parce qu'autrement, vous allez foutre de ma gueule. Malcuit, la récupération, il y aura pas de contre. 800-0-0, un match compliqué. On n'est pas dégueulasse non plus, on a eu quelques opportunités, on a fait. Ah, d'accord. D'accord, je ferme ma gueule. Ouais, je pense qu'on a fait comme. Putain, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est vrai. Non, en vrai, j'ai. C'est vrai que je domine. Enfin, dans le jeu, j'ai la possession. Ce qui réalise, parce qu'en vrai, en jeu, ils sont pas du tout en style de possession. Mais ils défendent très bien. Et non, mais c'est vrai que non, en réfléchissant, c'est vrai que j'ai. Je me rappelle que d'une occasion. Donc voilà. Mais ouais, en jeu, nous pose beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'on a la possession, mais. Défensivement, ils sont vraiment très costauds en jeu. Donc, c'est compliqué de les bouger. Mais voilà, si on gagne le match, il va falloir marquer. Donc on espère marquer dans cette. Wesh, calmez-vous là, j'ai pas touché le ballon. Rendez-le moi le ballon s'il vous plaît. Wesh, il se passe quoi là? Non. Ok, d'accord. Ok. Ouh, ça fait mal là. Ça fait mal là dès le début. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Le check-in qui marque. putain, je suis choqué. Putain, l'action collective magnifique. Voilà, moi j'étais tranquille en train de faire mon intro pour la deuxième mi-temps. Et eux ils viennent niquer mon délire là. Ah bon, bah 1-0. Maintenant tout est. Bah voilà, 4 buts en Ligue 1, il marque un deuil. Maintenant voilà, marqué rapidement et de réaliste, bah là va falloir être beaucoup plus carré si on veut espérer revenir, parce que si on veut gagner ce match, voilà, va falloir marquer. Donc on est parti, putain nique sa mère, appliquez-vous là. Oh Endoy il est partout. Oh la puissance check Endoy, Toko Ekambi, attention, Toko Ekambi la frappe. Voilà, ça passe à côté. On est clairement pas dans cette deuxième mi-temps, on n'y arrive pas. Et Angers en profite, mais ouais, ça semble compliqué ce match. Ce serait pas démérité quand Angers marque au deuxième but, parce que là on est vraiment pas du tout dans cette deuxième mi-temps. Attention, non, le face à face, c'est 2-0. Et ben voilà, j'ai envie de fermer ma gueule. C'est. Ouais, c'est mérité. Hein. Au bout d'un moment, si on est nul, bah on est nul. Non, mais en vrai, Angers, bravo à eux, ils défendent très très bien, ils sont en rare occasion. Ils marquent. Ils sont plus réalistes que nous, vu que nous on peut pas être réaliste, qu'on a fait qu'une action. Mais ouais, ça fait 2-0 et franchement, je pense pas que je vais essayer de revenir. Angers, ils gèrent tranquillement, ils sont tellement sereins défensivement. On va tenter les trois off, voilà, on tente tout pour tout, on a plus rien à perdre. Petite interruption, les gars. Donc, malheureusement, mon haveur média a bugué, il s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Je m'en suis rendu compte après, il était trop tard. Donc, vous n'aurez pas la fin de match de Angers, donc j'ai perdu 2-0. Et vous allez louper le début de match face à Lorient et le premier but. Et c'est moi qui va le marquer avec Nolan Roux. Donc je vais vous le mettre. J'ai quand même réussi à vous le retrouver parce que bon, avec un ralenti à la fin du match. Donc désolé, mais c'est mon avis. Ah, j'y peux rien donc. Le bon appel de balle. Bon, Moukanjou, joue attention à la vitesse. Moukanjou, joue rapide de face à face. Le ballon piqué, bien joué. Oh la relance dans l'axe. Oh la relance catastrophique. Belle frappe et magnifique arrêt. Toujours 1-0, les gars. Ok, corner, les gars. Faut continuer à bien défendre, les gars. Les gars, mi-temps. On mène 1-0 grâce à Nanro. Donc, malheureusement, vous n'aurez pas pu voir le but. Donc, je suis désolé. Mais je sais même pas à partir d'où mon avis m'a dit arrêter d'enregistrer. Heureusement que je m'en suis rendu compte et pas à la fin de la vidéo. Donc 4 tirs à 2, franchement le mode légende. Oui, parce que je joue en mode légende. Ça dépend où ça a coupé. Mais moi je voulais pas. Enfin, je l'ai déjà dit avant. Bref. Donc en légende, pour l'instant, je gère. Donc voilà, je sais pas si je repasserai en légende après. C'est le mode légende, mais tellement. Parfois compliqué. Parfois tu peux gagner facile. Parfois tu peux galérer de fou. Enfin, moi, le mode champion, si je galère, la preuve face à Angers. Donc je pense que voilà, je vais rester en champion, puis après voilà, si j'ai trop de facilité, ce qui n'est pas le cas vu la défaite d'Angers, on passera en mode légende officiellement, mais pour l'instant on verra. Donc on va essayer de continuer comme ça les gars et essayer de se qualifier. Là par contre je me suis foiré et il y a une faute, génial. Dommage les gars, Cafu. Attention comme Konjo. Oh putain, il est tout seul.
Oh putain la vitesse. Oh la vitesse, oh, j'ai trop fait sur le gardien. J'ai trop fait sur le gardien. Et je me fais punir. Égalisation de Lorient. Moukanjo en plus sur lui. Voilà, tenter de rapprocher un joueur quand tu vas affronter un club. Souvent, tu sais, c'est pour déconcentrer l'adversaire. Mais finalement, ça n'a pas marché. Parce qu'il plante un but, c'est totalement de ma faute. Voilà, j'ai fait ça sur le gardien parce que je fais toujours sur le gardien. C'est un truc, une manie que j'ai. Et là, je me fais niquer. Et ça fait 1-1. C'est de ma faute. On va se rattraper tranquillement. Il y a le temps. Nos stress. Non, je préfère le truc. Neostress.es, je suis pas comme ça, moi je suis mature. Moi. Ça, par contre, c'était drôle, c'était une bonne blague. Allez, on continue. Allez, moi. Oh, t'es parti, Nolan. T'es parti, Nolan Roux. C'est ton dernier match. C'est ton dernier match, fais-moi vibrer. Fais-moi vibrer. Oh, l'autre côté. Oh, l'autre côté. Oh, vas-y, Mané. La deuxième chance, mais c'est pas possible. Mais non, mais comment j'ai raté ça, gros. Oh là là, la Rex, c'était une des balles, la balle de match sans doute. Il reste 10 minutes à jouer. Attention à passer en équipement, donc c'est bon, bien défendu. Mais vraiment pas de chance pour l'instant. Et ouais, ça sent encore une fois les prolongs. Vous avez l'habitude, à chaque fois que je suis en coupe, il y a les prolongations sur son centre. Ok, je vais remettre tranquillement mon gardien. Bah, c'était plutôt un échec. Contre. Oh, le contre vire et tout. Oh, le contre trop bien joué. Oh, mon moi. Oh, la vitesse. Et la vitesse, vas-y, je comprends, moi. Jusqu'au bout, on s'arrête. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, non, la roue. Le poteau. Oh, putain, la chance. Un groupe pour l'un de ses derniers matchs, alors pour nous offrir la victoire et ça touche le poteau. Ça, voilà, 2-3 minutes de la fin. Et même vous, c'est pas sorti. Plutôt pas, les gars, plutôt pas, mon gars. Voilà, oui, bien joué. C'est bien battu dans ce match. Roux, petit pénalty, on sait jamais. Voilà, j'ai fait une action sur tout à l'heure, pourquoi pas deux fois. Putain, en vrai, ça a été tellement beau. On a vraiment pas de chance. Ça peut se passer un kick, comme sur Banner, tu vois, une paille. Déjà c'est quoi ses couilles. La Mané il est cuit de chez cuit. Une dernière action et en plus ouais, je me suis sur la passe. C'est la fin. Sif. Non, il n'y a pas de dernière action, c'est mort. Vas-y, on fout, je s'en bats les couilles. Voilà, il a sifflé. Il a sifflé un peu partout, encore une fois les prolongations. Ça fait plaisir. Je crois bien les éviter, mais bon, après c'est comme ça. 7 tirs assez, voilà, c'est franchement très équilibré. À moi de légende, voilà, qui j'arrive. Franchement, à deuxième mi-temps, c'est logique, c'est égalise parce qu'il. Ils ont été au-dessus, ils m'ont carrément dominé. Alors que la première, c'était moi qui dominais. Donc c'est un nul logique, même si j'avoue que j'ai des regrets sur le poteau et deux grosses occasions en fin de match. Mais voilà, c'est comme ça. Et moi, le point favorable est pour nous. Et oui. Donc on est parti, première action de ces prolongations. Oh là là, allez, c'est le moment. Et j'ai fait la merde, je le sentais venir. J'ai fait le... oh là là, putain, je sais pas pourquoi je vais aller. Je voulais centrer, d'un moment, j'ai pas centré. Bah... oh, oh non, oh non, non. Oh, il va jouer, bah oui, c'était sûr, Cabo, Jimmy Cabo. Oh, le but. Oh, le poteau. Dégage ça. Et yes, les cars à la chance, c'est de notre côté un peu. Voilà, après le poteau de Roux, maintenant c'est Jimmy Cabo, l'ancien Troyen, qui vient toucher le poteau. J'ai vraiment cru que c'était dedans. Oh là là, je suis soulagé là, j'ai vraiment flippé. Non, c'est bon, tranquillement. Et j'étais sûr pour moi, franchement, pour moi, c'est... je l'ai vu dedans. Oh, voilà, moi on est quitte. Roux poteau, Jimmy Cabo poteau. Voilà, maintenant on est quitté. Maintenant, bah, c'est à nous de marquer. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres poteaux de notre part. Si de l'Orient peut continuer de suivre le poteau, ça m'arrange. Voilà, percée de Mané, la passe de merde, nique ta maman. Oh, un petit contre favorable. Nolan Roux, le but de la victoire de Nolan Roux. Mais c'est pas possible. Mais non, Roux, tu fais un très bon match, Roux. Tu te bats bien, t'es nickel. Mais la finition, tu dois la mettre là. Putain, et c'est pas terminé, CV. Et CV, arrête-toi. Arrête-toi, tu passes en puissance, c'est bien défendu, c'est pas terminé un moment. Le centre Roux. Oh non, c'est le corner. C'est le corner. C'est à l'arrache, c'est fin de match. Enfin, c'est fin de première mi-temps. On joue avec Augustin. Augustin encore fait un bon match aussi avec Mané. Mané qui cramait de chez cramé, en même temps il joue tous les matchs à cause de la blessure de. Oh il y a attention. Oh putain non, je l'ai centré à ras de terre. Avec la blessure de Lozano cette mi-temps de toute façon. Et puis il y a beaucoup de fatigue. Augustin, je vais te faire sortir. À la place de Beric, donc voilà, putain, quand on fait un bon match, ok, je comprends, on veut pas se faire, c'est trop tard. Peut-être qu'Augustin va marquer un, c'est un signe, tu vois. Là, j'ai pas pu le faire sortir, parce que j'ai pas pensé. Ça veut dire qu'il va marquer, les gars. Allez, Veretout avec Augustin qui est toujours pas sorti, il va bientôt sortir. Avec Amouma, avec Nolan Roux, avec Augustin, le poste à feu sur Augustin. Yes, les gars, Jean-Kevin Augustin, mon pote. Et j'avais dit quoi, gros? J'avais dit que c'était un signe, le fait que j'ai pas pu le faire sortir. Et il vient peut-être nous offrir la victoire sur une passive de Nolan Roux, les gars, qui se rattrape sur une occasion manquée. Et de son poteau Roux qui fait plaisir, a fait un très bon match. Augustin qui a fait un très bon match aussi.
Il reste 10 minutes à tenir. Pour l'instant, on est qualifié. Les gars, ça fait super plaisir. On voit Mouma qui fait un beau travail. La passe de roue. Magnifique, Agustin. Voilà, boum, la grosse finition, les gars. Il manquait de finition. Et là, voilà, on sent qu'il commence à prendre confiance. Ses stats qui augmentent, ses généraux qui augmentent. Il commence vraiment à devenir un buteur intéressant, les gars. Et maintenant, tous derrière, les gars. En vrai, je suis vraiment un devin, quoi. J'avais prévu le but d'Augustin. Je suis un génie. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Déjà, tout le monde me le dit, donc que je suis un génie. Mais le mec prend trop la confiance. Non, je suis absolument pas un génie. Loin de là-haut, l'action magnifique à tout son capot. Oh là là, putain, c'est une magnifique action là. Mais ça passe pas. Tant mieux pour moi, Roux. À Mouma, que ce que je raconte. Oh, la récupération de golf. Le golf qui devrait faire du golf et pas du foot. Ruffier, bien joué. Oh, Ruffier deux fois. C'était, voilà, forcément, je fais une blague pourrie. Dernière, je peux me faire surprendre. Il reste plus beaucoup de temps en jeu, les gars, il va falloir tenir. Lorient qui a des possibilités d'égaliser. Mais pour l'instant, les gars, on est solide derrière. On est solidaire. Voilà, j'ai cherché le mot, les gars. Trou, ça passe. Oh, dommage. Oh, la récupération d'un trou. La récupération d'un trou. Oh, on a vu Peric. On a vu le face à face. Oh, putain, dommage, le ballon piqué. Toi, un petit peu trop sur le gardien. Malheureusement, le gardien est sorti rapidement. Là, on pousse, les gars. Ça sent très très bon la victoire, les gars. Mais c'était très rapide, Roux qui m'a. Pour moi, du match Roux. Pour l'un de ses derniers matchs. Ouh, dommage. Pour l'un de ses derniers matchs, il aura fait un. Ah, il y a corner, ok. Il m'aura fait carrément un gros match, une passe D. Une passe D et un but. Une passe D et un but, simplement. Donc, je suis très content pour lui. Et c'est terminé. On est qualifié. YOLO. Je suis satisfait, carrément. C'est 13 tirs à 11. On a franchement un match très équilibré. Beaucoup, beaucoup d'occasions. J'ai pas pu tout vous mettre dans le montage, j'imagine. Parce qu'il y a eu énormément de choses, il y a eu énormément de choses, les gars. Mais je suis satisfait, on termine cet épisode par une victoire. Avec. Vu qu'on a quand même perdu une fois face à Angers. Et on joue en demi-finale, l'AS Monaco. Alors, je préfère tomber face à Monaco, face au PSG, inacceptable. Merci, boss. Bah, pas de soucis, mon pote. Tant que tu es pas trop mauvais, ça va. Mais bon, il est pas exceptionnel, mais il est correct à mon bras. Je me rappelle que la dernière saucisse, il m'avait carrément saoulé. Je pouvais pas du tout pour lui, j'avais vendu au mercato d'hiver. Là, ça va, il est pas mauvais. Donc, de dotation, besoin de transfert pour Noan Roux. Le problème, c'est que je pense le mettre dans la transaction, donc je pense pas le vendre en somme, voilà, en échange en gros. Donc, ouais. Bref, ah oui, donc dans les commentaires, dites-moi quoi faire, qui recruter. Russie, on s'en bat les couilles, il y a le bon Lafont, c'est mort. Son issue il a 17 ans, les gars, c'est ouf. C'est un très bon placement en Ruffier. On va attendre. Donc, dites-moi dans les commentaires, les gars, quel buteur prendre et pourquoi aussi argumenter, voilà, comme dans le bac de français, voilà. Vous devez argumenter vos réponses, parce qu'à chaque fois, cette pute de prof, tu mets oui ou non. Non, non, il faut argumenter, dire pourquoi. Il faut dire, la réponse est dans le texte. Quoi, je m'éloigne un peu du sujet. Ouais, c'est vrai, je m'éloigne un petit peu. Mais voilà, argumenter, dites-moi pourquoi. Et je répondrai à votre. Enfin, je tiendrai compte de votre commentaire. De toute façon, je lis tous les commentaires. J'en profite, hein. J'ai pas 100 commentaires ou 1000 commentaires, etc. Donc voilà. Donc Ruffier, on rejette, bien évidemment. Il partira cet été. C'est signé. J'ai discuté avec Ruffier. Il a envie de jouer avec des champions dans un grand club. Et c'est bon pour lui de partir. Vu qu'il a 30 ans. Et puis là, le fond est là pour prendre la relève. Donc dans le prochain épisode, quand je jouerai à Monaco. Demi une place en finale qui va être très très important, vu qu'on a pas mal de temps pour se poser, on pourra mettre l'équipe ensuite Toulouse, ensuite Lille, et ensuite dans le prochain épisode on aura Lyon, Ajaccio en Coupe de France tranquille, Nice, et dans encore l'autre épisode il y aura la double confrontation contre Wistam, donc ouais, il y aura une confrontation, dans un épisode il y aura la double confrontation face à Wistam, donc ça c'est plutôt cool que tout soit dans un épisode, quoique ça met suspense, tu vois, parce que t'as envie de regarder l'autre épisode pour savoir ce qui s'est passé au match retour, c'est comme une série, le dernier épisode ils vont mettre putain, c'est qui est mort à cause de Negan. Et bah t'es obligé de regarder le début de la saison. Ouais bon là je me viens encore. Je sais pas ce que j'ai là. Donc là c'est pour les 6e les gars. Voilà, 2 points de retard sur le 4e, c'est pas trop grave. Mon pays, putain, ils sont chauds. Son 4e. Mais voilà, la défaite a fait mal carrément. Mais bon, voilà, il fallait bien que notre série s'arrête. On a pris un petit peu trop confiance, ça nous a fait redescendre sur terre. On va dire ça comme ça. Donc rapport d'équipe. Lafont plus 5 toujours, Maisonnel plus 2 c'est bien. Malcu plus 1. Tony Catherine plus 1, lui on s'en fout. Donc Catherine, ouais, il est blessé, c'est relou. Niemek plus 1 à Lens. Au nord, c'est les cours, mon pote. Perrin, 31 ans, mais toujours au top. Pogba, c'est le défenseur central qui a joué le plus de matchs. Lacroix, malheureux. Pourquoi il est malheureux?
Pourquoi t'es malheureux? Ah oui, le salaire. Ouais, bah, Nick Taras. On verra ça. Je sors de Nick Taras au calme. Le marchand plus sain. Ah oui, il est blessé. J'avais carrément oublié. J'ai oublié qu'il jouait. Polo qui augmente, c'est bien. SNS, ok, plus sain. À un moment, voilà, il 6 buts de passe dé, c'est pas mal. C'est par rapport à. J'ai toujours eu du mal avec un mois sur les FIFA, mais cette année, c'est pas dégueulasse. Je dis pas que je prends un. C'est exceptionnel. Hein. C'est. Voilà, c'est pas mal. Veretout plus 1, Veretout CV, qui sont en prêt, je sais pas si j'achèterai à la fin de la saison. Donc CV, j'aimerais bien Mané plus 3, voilà, 6 passes dé. Franchement, c'est un petit joker de luxe vraiment très très intéressant. Bon, là, c'est plus qu'un joker avec les blessures. Et voilà, Piqué, 14 buts, 3 passifs. C'est mon buteur, Augustin, 5 buts, 3 passes dé. C'est franchement pas mal, on est à moitié de la saison. Sa fin de saison, il est à 10 buts, 10 passes dé, ce serait en moins cool. Et Roux qui 17 matchs, mais voilà, il est sur le départ. Lozano plus 3, Mopé, qui va revenir l'année prochaine, je sais pas du tout ce que je ferai de lui. Donc voilà les gars, pour le rapport d'équipe, on va s'arrêter là. On va vite fait voir les classements des buteurs. Non, écoutez, je m'en bats les couilles. Voilà. Perry, tu vois, il est dans le top 5, il a 9 buts. En championnat, il a mis pas mal d'autres buts dans toutes les autres compétitions, donc c'est cool. Alors, il y en a aussi les passeurs, j'ai pas pensé. Et on a Perich aussi, c'est le meilleur passeur. Non, je suis encore de buteur, je suis con. Mané, voilà, Mané, voilà. Lozano qui est pas mal aussi en termes de passes décisives. Donc, on va regarder ma liste prioritaire, les gars, pour les buteurs, entre qui j'hésite. Donc, soit vers la Germain, enfin, c'est pas sûr que je pourrais l'avoir, hein, mais Plea. Après, Germain, il y a combien de vitesse? Ah oui, c'est marqué 114. Ouais, c'est Ajao qui fait cher. Bressois, c'est vraiment mon préféré. Et puis, il est rapide à 4 étoiles, il est encore jeune, et Ninga. Non, je pense c'est pas encore. Ah oui, Berardino, si je peux l'avoir gratos, j'ai oublié lui. Il est en fin de contrat. J'aimerais bien pouvoir l'acheter parce que tu vois, Berardino, c'est un bon buteur. En fin de contrat pour l'année prochaine, mais. Problème, c'est l'année prochaine, donc avec Berardino, si je le prends gratuit. Berish, Mbappé. Augustin, il fait déjà 4 buteurs. Non, mais c'est pas. Non, mais j'en ai un autre. On verra. Dites-moi si je le prends en fin de contrat. Et je vais voir aussi. Tsegmota, Motin, il est 34 ans. Le gars, est dans combien de 3 jours on sait général de Germain. En 3 jours. Mais Germain, il doit avoir 118, 117, un truc genre. Ouais, non, 119. 119 serait bien, vu prix. On va avancer, les gars. Est-ce que je pourrais voir son général? Oui. Je sens que ça va être beau. On va avancer jusqu'au bout, les gars. Alors, Ninga, nickel. Ouais, je m'en bats le cul de toi, moi. je sais pas le time. Et Juju ici, Juju, voilà, il a un très bon buteur, fait une bonne saison. C'est juste curieux, hein, je voulais pas me l'acheter. Ninga, 74, voilà, c'est un bon buteur, intéressant. Bon, après, je comptais pas le recruter, mais il a une bonne vitesse, donc voilà. Il est où, Germain? Quentin, Jean, ok. Germain, un jour, vas-y. un jour prêt, les gars. Bon, dites-moi dans les commentaires qui recrutez. Sur ce, les gars, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. On va tout simplement se dire à une prochaine vidéo. Je cherche Monaco et etc. Nous ne sommes pas intéressés. Ah putain, je m'en doutais. Ouais, bon, on verra après. Bon, bref, les gars, ça j'avais oublié. Je ne sais plus si j'avais regardé. Donc, moi, les gars, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. C'était Roulian. Ciao tout le monde.